Ok les gars, justement que la vidéo commence, je voulais vous dire que ce week-end, ce dimanche 6 octobre à 20h sur mon site swiftkicks.com, je vous sors plus de 200 paires qui dropperont directement sur le site. Ce sera en premier arrivé, premier servi, et comme d'habitude, vous savez, ça va être la guerre. La dernière fois, vous avez été plus de 5000 personnes en simultané. Et franchement, je vous montre un peu un petit aperçu de tout ce qu'on va voir. On a des paires vraiment cool, des paires avec des mecs plus pour la New Wave, des Grails, de la Dunk SB. On a bien évidemment beaucoup de la nouvelle Travis Scott Medium Olive. Et vous allez avoir 15€ de réduction sur toutes les commandes pendant la première heure du drop. Donc les gars, mettez bien un rappel, ce dimanche 6 octobre à 20h, c'est mon site web kicks.com et vous avez directement le lien en description si vous voulez y aller rapidement. Et comme d'hab les gars, on a des très bons plans, donc je vais vous montrer les 5 paires qui sont vraiment pas chères du tout. On commence directement avec cette petite paire de I700V3 Kanit à seulement 59€. A savoir les gars que tous les prix que je vous donne dessus, vous pouvez rajouter la réduction de 15€ en plus qui s'appliquera automatiquement lors du drop. Donc franchement, ça vous permet de la récupérer à seulement je crois 44€ si je dis pas de bêtises. Bref, 44€ pour une Easy comme neuve, c'est juste une folie. On a ensuite cette paire de Jordan 4 White Thunder qui sera à seulement 79€. On a ensuite une paire de J4 Metallic Gold complètement neuve à seulement 99€. Une paire de Air Max One Pata Chlorophyll qui vient juste de sortir à 159€, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est under retail. Et enfin les gars, une petite paire de Nocta Hot Step 2 à seulement 199€. Bref, vous avez compris, vous avez aucune raison de ne pas être là ce dimanche 6 octobre à 20h sur mon site web. Je vous remets toutes les informations en description et on sera en même temps en live sur mon TikTok et mon Instagram au moment du drop. Ok les gars, on est parti, épisode 19 de la série une vidéo par jour pendant 30 jours. J'espère que vous allez bien. Moi les gars, comme toujours, ça va très bien, ça se passe bien. On est là, on enchaîne sur la série, on avance, tout va bien. Comme vous avez vu juste avant, on est en pleine préparation du drop, parce que comme vous avez vu, on a un drop avec plus de 200 paires, donc j'espère que vous répondrez à l'appel. Mais du coup aujourd'hui vous allez partir sur la petite vidéo avec la première partie des rachats du vendredi. Je sais pas combien de parties parce que je vais découper les rachats du vendredi, mais là voilà, je me dis ça fait déjà une petite vidéo de 20 minutes, franchement ça suffisait. Donc je vais la couper en plusieurs fois pour que demain vous ayez aussi une vidéo rachat et peut-être aussi après-demain, donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup les gars, je voulais vous dire, dans cette vidéo rachat vous allez probablement me voir dire plusieurs fois que je cherche une medium olive en 42,5. Mais du coup ramenez-les moi parce que ça m'intéresse, mais dans le sens où je l'ai déjà trouvé, donc entre guillemets je peux vous les reprendre, mais venez pas à 47 avec vos medium olive en 42,5 parce que du coup je l'ai trouvé pour moi, pour Rock. Par contre je vous le dis encore une fois, cette vidéo donc sort le samedi. Moi à partir du mardi je vais pouvoir reprendre vos paires quand je réouvrirai la boutique. Ramenez-moi vos medium olives. Clairement j'ai vendu quasiment toutes mes medium olives, dans le sens où je crois qu'au total j'ai dû en acheter peut-être 25. Il m'en reste genre littéralement 5 ou 6. Donc franchement c'est une folie. Donc voilà, si jamais vous avez des medium olives, venez me les vendre. Vraiment j'en ai besoin. Donc ramenez-les moi, je les veux. Également les gars, juste avant de vous laisser avec la vidéo, je vous rappelle, il y a toujours les deux concours qui sont disponibles. Le premier c'est pour gagner 500€ en bon d'achat. Pour ça c'est assez simple, vous avez juste à commenter les vidéos qui sortent au cours de la série des une vidéo par jour pendant 30 jours. Vous pouvez commenter une fois par personne et par vidéo, mais dans votre commentaire, laissez bien votre Instagram. En gros, le fait de laisser votre Instagram, nous, ça nous permet de vous recontacter si jamais vous gagnez. Donc, si jamais vous voulez commenter, mettez bien votre Instagram. J'ai vu plein de gens me dire, ouais, machin, c'est pas cool pour ceux qui ont pas Insta. Les gars, on va essayer de s'organiser. Si jamais on tire au sort une personne et qui a pas l'Instagram, on répondra aux commentaires, on lui laissera 24 heures pour nous répondre. S'il nous répond pas, on tirera quelqu'un d'autre au sort. Mais en tout cas, voilà, franchement, le plus simple, c'est vous laisser votre Instagram. Nous, au moins, on pourra vous recontacter. C'est beaucoup plus simple. Et du coup, le deuxième concours, c'est si jamais on atteint les 600 commandes sur le compteur que vous voyez normalement, je crois juste ici, si je dis pas de bêtises. Si on atteint les 600 paires vendues au cours de ces 30 jours, chose qu'on va très clairement faire assez facilement normalement, on vous fera gagner au choix une paire parmi toutes celles qui s'affiche ici à l'écran. Et pour ça en gros on tirera au sort une personne parmi tous les gens qui auront soit acheté en boutique, soit acheté une paire directement sur le site. Donc si jamais vous souhaitez participer à ce concours, vous avez le lien directement vers mon site web en bio swiftkicks.com. Et donc le drop, très clairement avec les 15€ de réduction sur toutes les commandes, ça peut être un bon moyen de pouvoir vous choper une paire et très clairement contribuer à la chaîne, à mon entreprise, etc. Et également vous savez que vous avez une chance en plus de pouvoir choper une paire vraiment sympa. Voilà, si jamais je vous laisse le lien vers le site, n'hésitez pas à aller checker ça. Et en tout cas voilà les gars, ceci étant dit, je vous laisse avec la vidéo. Désolé pour l'attente les gars, ce qui fait froid. Une petite médium olive pour bien commencer la journée. 43, ok, j'ai vendu 43. Personne ne veut m'amener mon 42,5, c'est impressionnant. Ouais. Oh, tu t'es fait pas respecter là, c'est fou. Là, t'as un petit accro aussi. Je peux te les prendre quand même, mais par contre, ouais, ils t'ont pas respecté. Ouais, en fait, c'est ce pied-là où ils t'ont chié dessus littéralement. Ok, bon, t'en voulais combien dessus? Je sais pas, dans les 460. 43, habituellement, j'aurais acheté 440. Avec ces petits défauts-là, je pense que j'aurais été à 420. Ouais. Ça te va? Ouais, c'est bon. Allez, nickel. Merci, nickel, bon, parfait. Bien. Bah, écoute, merci à toi. En tout cas, merci d'être venu. Puis si t'as d'autres trucs avant, n'hésite pas. Ça va, salut, bonne journée. Salut, tu vas bien? En fait, j'avais plusieurs paires. Ok, ça te dérange pas si je filme? Non, non, c'est cool. Nickel. Mais en fait, j'ai plus gros projet de trade. Ok. Contre Travis Olive. Ok. Je sais pas du coup si t'as chaud ou pas. On peut regarder, c'est quelle taille que tu cherches? Un 44,5 ou un 44, 45. J'ai 44 et 45, j'ai pas de 44,5. Ça, j'entendais, je t'entendais parler devant et tu me disais, j'entendais que tu disais que tu l'avais. Après, le truc, c'est que la 42,5, t'as vu dans ma story, en fait, elle était aussi chère parce que c'est les 42,5 en temps, enfin, en particulier qui sont très très chers. C'est la seule taille qui coûte aussi cher. Justement, j'ai vu et ouais. Bah, du coup, j'étais prêt à rajouter un petit peu. Ok, de toute façon, on voit, de toute façon. Enfin, sur le reste, limite, je pourrais baisser mon prix. Vas-y, carrément, on regarde, de toute façon. Bon, la boîte a pris un peu cher. Ouais, la boîte a pris un peu tard. Comme de toute façon beaucoup de kiss, mais celle-ci en l'occurrence elle a pris vraiment cher. Ok. Ça là, héritage, c'est des bonnes paires, mais c'est juste que c'est trop dur à vendre pour moi. Et comme je prends beaucoup de paires, faut que je choisisse vraiment ce que je prends. C'est pour ça. Ouais, c'est pareil. Ça, c'est des bonnes paires, la mocha, mais elle est trop usée.
C'est pas réellement toi au niveau du prix, c'est juste vraiment par rapport à moi ce que je choisis et ce que je prends dans la boutique. Tu vois, moi, faut que les steaks soient vraiment clean. C'est aussi, je pense que tu la passes. On va regarder. Au niveau de l'état, pour te dire, ça va. Mais la Shadow, pareil, c'est des paires qui sont durables pour moi. Ouais, donc j'aurais passé. Les Trail Grey. Ça, pourquoi pas, dépendant de ce que t'en veux. Et je pense à Vicky Green, ça va être pareil. Ouais, ça va être pareil, c'est des paires qui sont trop durables pour moi. Donc, Donc ouais. T'en voulais combien du coup pour ces deux-là? Bah, ça dépend combien je peux faire parce que. Bonne journée. À la Olive. Ouais. Je prends la Olive après. Je vais te dire ça. Je pense que j'aurais été aux alentours des 300 pour te dire. Donc en crédit, j'aurais été à 330. Et sur ça, j'aurais été à 160. Donc en crédit, à 180. Donc en rachat, on est à 460 et en crédit, 510. Du coup, pour la Travis, c'est bon? Non, la Travis, c'est 44, tu m'as dit. Elle est à 599. Donc il te manque 89. Ok, bah je vais la prendre ça. Ça te va? Ouais. Allez, nickel, on fait comme ça. Et voilà pour toi. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi, merci d'être venu. Et puis bah, si jamais t'as des trucs à vendre, n'hésite pas. Ouais. Pareil, tu viens avec beaucoup de sacs, enfin beaucoup de paires du moins. Dans mon appart. Ok. Pas de pièces, donc c'est très limité. Ok, t'inquiète. En ce moment, je sais pas ce que vous m'avez, ce que vous avez à tous m'apporter des Air Force One Kiss. Ouais. Ça me va, je les vends bien, mais on me ramène énormément. Mais elle est pas pliée. Ouais. Elle a un peu de pli, mais ça va. Ça va, ça va. C'est que du neuf. C'est assez seulement du neuf. J'ai une paire en occasion, mais okay. Je suis pas sûr que je me la reprenne. Je vais te la montrer. Ok, je vais regarder parce qu'actuellement ma priorité c'est pas le neuf, donc je vais regarder. Je vais prendre surtout sur les paires qui m'intéressent vraiment. Là, c'est ma seule news, mais je pense pas que je vais la prendre. Je suis pas sûr que. Pas sûr. Ça, j'en donne pas beaucoup. Dépendant ce que t'en veux, parce que ça reste des bonnes Air Max One. D'accord. Voilà. Celle-là, okay. ADS. C'est quelle taille 44 170, okay. C'est ça. À peu près, ouais, tout à fait. C'est ça. On regarde les vidéos, on est là. Parce ça que régale, merci beaucoup. Ça, c'est une petite Kobe en petite taille. Ok. Petite taille, les Kobe, je t'avoue, j'ai arrêté. 40. Ouais, j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai celle-ci qui est sur mes bras depuis des mois et qui dort exactement. Okay. C'est la bread. C'était tout du coup? Ouais, bah. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Est-ce que t'as des prix en tête à chaque fois sur tout ou pas réellement? Non, dis-moi après en fonction de ce que tu me dis. Ok. Regarde, en fait. Ouais, t'inquiète. Je vais regarder déjà sur la Air Max One. T'as que celle-là, celle-là ou t'as les autres? Non, j'ai que celle-là, j'ai la carte aussi, j'ai que celle-là comme la clé. Okay. Que celui-là, j'ai pris la carte, j'ai une carte dedans. Ouais, t'inquiète. Pour te dire, je t'aurais proposé 100. 100 ? Ouais. Ça te va ? 2,70 ? Pas plus celle-là ? Non. Ça cote un peu plus. Après, moi, c'est par rapport à ce que je vais la revendre derrière, tu vois. 290, non, c'est pas possible. Formulier, si tu veux, 2,80. 2,80, vas-y, c'est bon. Ça te va ? Ça, j'aurais été à 2,20 dessus. 2,20 ? Ouais. Ferme ou 240 ? Ferme 2,30. 2,30, vas-y. Ça, 170. 170, on est bon. Nickel. Pareil, j'aurais proposé 300. 300 ? Ouais. Pas plus pour celle-là ? Ferme sur celle-là ? Ouais, je suis assez ferme, honnêtement. En fait, il y a des ventes à 374, etc. Mais t'as aussi pas mal de ventes, genre à 300, 295, 320. T'as des ventes à 500 au milieu, tu vois. Ouais, mais bon, ça, c'est pour ça. Il y a exprès, donc ça, je ouais, carrément. Ouais. Ouais, je vais la prendre 300, 300. Je vais la poser 380. 300, ça te va ? Je te laisse pas souci. Nickel. Donc au total, t'as 1250. 1250. C'est comme pour toi ? Nickel. Parfait. Mais écoute, merci à toi en tout cas, merci d'être venu. Et puis si t'as d'autres trucs à vendre, n'hésite pas. Carrément. Merci à toi. Yes. Salut, tu vas bien? Ça va. Ça va toi? Ça te dérange pas si je filme? Non, t'inquiète. Nickel. Alors j'ai beaucoup d'Air Max One. Ok. 180. Et j'ai une en 1000. Ok. C'est où? Ouais, on peut regarder carrément. Hop, ça va être l'animal du coup, j'imagine. Bah, c'est ça. Ça, la Master, c'est des bonnes paires, mais ça. Enfin, je suis pas sûr de pouvoir te la prendre parce que c'est super dur à vendre pour moi. C'est les passionnés d'Air Max. C'est ça, exactement. Faut trouver la personne qui cherche vraiment cette paire, quoi. Elle est coffrée depuis des années, mais bon, j'ai dit, allez, je la vends. Ouais, ok. Ça, je pourrais pas te reprendre les 1000, okay. Je prends pas du tout. Okay. Après, c'est de la 180, c'est ça? Ouais. Ouais, 180, pareil, c'est moins ce que je vends. Donc, okay. Ça, c'est sûr que je pourrais pas te la reprendre. Ça marche. Et après, c'est la clotte, c'est ça? Ouais. Ça, t'en prends ce que tu veux. Ouais, c'est ça, c'est... je peux te la prendre, mais ça va être vraiment, vraiment pas cher. Que tu veux, j'en veux plus. Ok, éventuellement, ces trois-là peuvent m'intéresser, mais okay. Ça dépend vraiment de ce que t'en veux. T'avais pas d'idée de prix en tête? Non, honnêtement, rien à voir, tu proposes. Ouais, carrément, t'inquiète. Pour te dire, j'aurais été en dessous de 300. Ok. J'aurais été genre à 250 par là, pour te dire. Ok, j'en voulais 250. J'aurais été à 160. Okay. Et sur la clotte, regardons quand même. Ouais, j'aurais été à 50. Donc en gros pour le tout, oui c'est ça, 460. 480. Je pense honnêtement, okay. Je suis plutôt ferme parce que c'est des bonnes paires mais c'est pas des paires faciles à vendre. Ok, vas-y. Ça te va ?
nickel. En plus, c'est vraiment parce que hier, il y a une personne qui est venue à la boutique me disant qu'il cherchait une master. Moi, je crois qu'il voulait un 43. Nickel. Bah écoute, merci à toi. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, si t'as d'autres trucs à vendre, tu sais où venir carrément. Ça va, tu vas bien? Ça va, ça te dérange pas si je filme? Nickel. Et écoute, je te ramène la Travis. Ok, quelle taille? 40 et demi. Mais ramenez-moi mon 42,5, c'est pas possible. On avait parlé de prix dessus ou pas du tout? Tu m'avais dit 420. Je t'ai dit combien? 420. Ok, je vais regarder. Donc j'espère au moins 420. Si je t'ai proposé 420, je vais m'y tenir. Je t'avoue, aujourd'hui, je t'aurais proposé 390, mais si je t'ai proposé 420, je m'y tiendrai. Ok. C'est mieux, je ferai. Et en petite taille, t'as que ça? Ouais, j'ai ça, ou après j'ai reçu quelques Travis aussi au Olive, mais sinon j'ai que ça. Ça va, 420? Okay. Bah écoute, merci à toi, merci d'être venu. Et puis si jamais t'as d'autres trucs à vendre, tu sais très bien. Salut, bonne journée. Bonjour. Bonjour. Ça te dérange pas si je filme? Non, vas-y. Nickel. Hop. Que des hits, des gros. Mais alors, franchement, moi, c'est pour tes... je pense à tes prix planchers sur tes drops. Je pense à ça. Carrément. En toute honnêteté, je me dis, il faut des paires. Bien sûr, il faut des trucs cool, il faut des trucs. Le service des trucs cool, mais il faut des trucs un peu moins chers, carrément. Des petites dénines. Non, mais en plus, franchement, c'est des paires qui m'intéressent. En plus, elles sont en très bon état. C'est de l'occasion, très bon état. Moi, c'est clairement ce que je recherche. Alors, en fait, le truc, c'est que j'aurais aimé ne jamais te les apporter. Ouais. Mais j'avais acheté du 44,5. Pensant, ma peinture, c'était 44,5. Ouais. Mon pied, il est un peu grossi. Ok. Du coup, ça me va plus du tout. Donc, t'as que des 44,5. Ok, très bien. Voilà. Fire Red. Nickel. Bon, ça, on voit que tu les as portés franchement avec soin, c'est cool. Ok, est-ce que tu avais des idées un peu de ce que tu t'en voulais ou pas réellement? J'ai des petites idées, mais après, je connais pas vraiment le market, on va dire, revente pour la revente. Bien sûr. Tu vois, donc forcément, tu marges, je respecte ça. Carrément. Mais dis-moi, ouais, j'ai une idée, je me suis noté des trucs, mais s'il faut, c'est farfelu, je veux pas passer pour un compte devant la carte. T'inquiète. J'aurais été à 450 pour les trois. Combien en crédit, j'aurais été à 500. Vas-y, 500 en crédit. Ça te va? Je t'avais donné 500 en crédit, c'est bien ça, hein? Ouais. Donc ça, c'était 289. Ah, 18 ton prix. Donc t'étais à 658, moins 500, il te reste 158, je t'arrondis à 150. C'est nickel. Ça te va? Allez, nickel. T'as que je t'ai fait le reçu par mail et c'est tout bon. Ok, merci. Nickel, bah écoute, merci à toi, merci d'être venu. Salut. Ça, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va, merci. Ça te dérange pas si je filme? Non, nickel. Je sais pas si tu veux. Je suis super. C'est des bonnes paires. Mais honnêtement, ça, c'est assez dur à vendre pour moi. Donc ça, je pourrais pas te reprendre. Ok, pas de soucis. J'aime bien les boîtes que tu me sors. J'aime beaucoup les boîtes que tu me sors. Elle est clean en plus. Ouais. T'as la pris vraiment soin. Je l'ai porté 2-3 fois au maximum. Ouais, non, on voit franchement, elle est super clean. C'est le sac. La petite para, c'est pas une Spiridon. Voilà, des micro défauts sur le daim un peu. Est-ce que tu sais combien t'en voulais pour les 3 ou pas réellement? Pour les 3, ok. Ça, pour te dire, je pense que je vais passer, je vais être assez loin dessus en termes de prix. Moi, je les rachète généralement après, elle est très clean. Je rachète généralement aux alentours des 150-160. J'en ai acheté une ce matin, 160. Je vais voir comment je peux le faire à mid pour le tout parce que ça, honnêtement, je sais que c'est un bon prix par rapport à l'état. C'est un prix qui est assez correct. Ça, je vais voir pour la para. Tu m'as dit 300 là-dessus? Ouais. Je peux te faire 1002. Je pense que c'est mieux que je ferai. Ok. Ça te va? Ça me va. Allez, nickel. Attends. Non, parce que 200 plus 300 ça fait 500, plus 500 ça fait 1000. 700. Ah, tu m'as dit 700, ouais, c'est pour 700, ça, ok. Ouais. C'est pour ça, alors pardon, j'ai compris 500. Tu m'as dit 700. Le mieux que je ferais dessus, je pense, normalement je les achète 550 dans cet état. C'est une taille que j'ai pas très souvent, donc je peux te faire genre 580. Mais du coup, j'aurais été genre à, pour te dire 580. Parce que du coup, faut que je refasse mon calcul. Parce que du coup, en fait, je répartissais en achetant celle-ci 500, du coup, je l'aurais réparti. Alors attends, je vais te dire. Ouais, j'aurais été à 1050 pour le tout. 1100. Tu fais un pile ou face? Ce qui revient à dire quasiment que tu vas la prendre parce que je perds tout le temps. Mais sinon, je peux te faire 1070, je pense que c'est le mieux que je ferais. Ok, 1070. Ça te va? Ouais, ça me va. Allez, go. C'est bon. Nickel, merci. Bah, écoute, merci à toi en tout cas, merci d'être venu. Puis si t'as d'autres trucs avant, n'hésite pas. Ouais, pas de soucis. Carrément. Allez, salut, bonne journée. Ça va. Salut, tu vas bien? Tu vas bien toi? Ça va. Ça te dérange pas si je filme? Non, t'inquiète. Nickel. Alors, j'ai un design bizarre. Je vois ça carrément. Pas mal de trucs, je vais sortir les J4. Ok, c'est du neuf de l'occasion? Que de l'occasion. Très bien. Et c'est de l'occasion en bon état en plus. Enfin, ça dépend. Ok, il y en a qui sont en moins bon état. C'est la plus. Attends, je vois que t'as fait la queue dehors vu comment elles sont froides. Ouais. Je suis désolé. Ouais, ok. Ça par exemple, tu vois, c'est trop usé pour moi malheureusement. Ouais,
Ça va en vrai, ouais, c'est ça va. Généralement ça vieillit assez mal, donc franchement c'est ok. Ouais, après voilà, elle a quand même bien jauni et la semelle a un poil jauni aussi, mais dépendant de ce que t'en veux, pourquoi pas, on peut regarder. Ouais, c'est 2012. C'est des bonnes paires, il m'en reste une, mais le problème c'est que c'est impossible à vendre, d'autant plus qu'il y a la 2024 qui est sortie maintenant. Et le problème c'est que ça, si je la rachète, le client qui va la porter, la semelle elle va craquer. Donc derrière moi c'est compliqué. Ouais, je comprends. Ouais. Là il y a le 15, ça, il y a la boîte, ça c'est spécial. 2009%, 2009. Ok, ouais, ça paraît, ça c'est moins le type de paire que je vais vendre. Ça c'est nos box. Ouais, c'est la histoire, pareil. Pareil, ça va être le même problème, c'est moins le type de paire que moi je vais revendre. Après, dans tous les cas, elle aurait été un peu trop portée, je pense. Dipstar, je sais pas si tu reprends. Pareil. Je les regarde quand même pour les montrer surtout sur la vidéo. C'est une collab avec Aaron Preston, celle-ci. Ok. Putain, il est partout, c'est une folie. Toutes les marques font des collabs avec lui. En plus, elle est vraiment clean. Il y a toutes les étoiles. Ouais, non, c'est sûr qu'elle est clean, mais c'est vrai que moi, c'est moins ma clientèle, Babystar. Et pour te dire aussi, l'une des raisons pour lesquelles on les prend pas, c'est que je sais pas authentifier. Donc, je peux pas prendre des paires quand je sais pas authentifier, tu vois. Ça, c'est une 9. Ouais, ça paraît Dunk High, je prends pas. Alors, ça, c'est particulier aussi, pareil. Un Max One de 2009. Ok. Ça c'est pareil, c'est des bonnes paires, ça va exploser. Donc si je la vends, je vais avoir un retour dessus, donc ça je pourrais pas reprendre. Bon, la dernière, on sait jamais. Elle est trop portée. Trop portée. Ouais, un peu trop portée. Bon, du coup, il y a que ces deux-là qui m'intéressent. C'est pas grave. Est-ce que tu sais combien t'en voulais ou pas réellement? J'ai des estimations, mais vas-y, dis-moi tes prix. Ok, faut que je revérifie sur ça. J'aurais été à 250 et 180. Ça te fait du coup 430 normalement. C'est possible de faire 450? C'est ok. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, bah écoute, merci à toi. En tout cas, merci d'être venu. Salut les gars, bonne journée. Salut, tu vas bien? Ça va, ça va, merci. Ça te dérange pas si je filme? Non, c'est bon. Tac, merci. Elle est neuve? Ouais. Ok. Tu les avais eu retail ou tu les as rachetés resell? J'ai vu sur SNKRS. Tu les as gardés pendant tout ce temps? Ouais. T'en voulais combien dessus? 230. 230, 40,5, je vais vérifier, mais ça me paraît pas déconnant. C'est ok pour moi. Nickel. Facile, efficace. Nickel. Bah écoute, merci à toi en tout cas, merci d'être venu. Bah à bientôt si t'as d'autres trucs à vendre, encore une fois, comme d'hab. Salut, bonne journée. Salut, tu vas bien? Tranquillement. Ça te dérange pas si je filme? Non, pas de soucis. Quelle taille m'amènes-tu? 40. Amenez-moi du 42,5, c'est pas possible. Ouais, c'est un bordel même de ce que j'ai compris. Il y a 300 personnes pour 20 boîtes. T'en voulais combien là-dessus? Sur cette taille-là, j'aurais été à 400. 400 piles? Ouais. On monte un peu ou pas? 450. Je peux te faire 420 éventuellement. Je pense que c'est le mieux que je ferais. C'est pas la meilleure taille en fait, c'est pour ça que 40, 40,5, j'ai 2 40,5. 40, je sais que c'est pas ce que je vends mieux. Si tu veux, je peux te faire 400, 440 pile ou face. Ou alors 420. Comme tu l'as retail, t'as pas grand chose à perdre. On peut faire 420, 440. 400, 440, sinon. Parce que moi je veux payer 420, c'est pour ça. Vas-y, hein. 400, 440. Vas-y, nickel. Du coup, en plus, c'est les nouvelles petites pièces SwiftKicks. Ok. Pile du côté du SK, ouais. Face du côté du SwiftKicks, je lance, tu dis en l'air. Vas-y. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est bon, c'est des pièces avec mon logo et tout. Nickel, merci à toi en tout cas, merci d'être venu. Salut, bonne journée. Et du coup, voilà pour ce qui était de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'était une bonne journée de rachat, parce que ça, je vais pas vous mentir, c'est seulement 2 heures. Donc, c'est les 2 premières heures de quand j'ai ouvert. Donc, franchement, on a encore pas mal de rachats à vous montrer. Vous allez avoir des vidéos rachats qui viendront. Mais du coup, comme ça, c'était censé être la vidéo du vendredi, je vais vous dire toutes les paires qu'on a vendues au cours du vendredi. Et je vais pas vous mentir, une fois de plus, au lieu de vous les faire une par une, je vais juste vous dire le nombre de paires qu'on a vendues, parce qu'on en a vraiment vendu énormément. En fait, on a vendu au total 20 paires entre le site web et la boutique, donc franchement c'est énorme sur un vendredi littéralement qui est un jour de semaine, même si c'est la fin de la semaine ça reste un jour de semaine. Donc franchement merci à tous encore une fois pour le soutien. En ce moment il y a beaucoup de commandes en ligne et franchement ça me régale de fou de voir des commandes en ligne en dehors du drop, ça veut dire que vous êtes présent, que vous checkez le site. Et c'est vrai qu'en ce moment dès que je vais sur le site pour voir combien il y a de personnes en ligne sur le site, il y a toujours au moins 30-40 personnes en même temps sur le site à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc franchement c'est incroyable, merci à tous. Et du coup on avance bien puisque je crois que si je dis pas de bêtises on doit être à 476 paires vendues ici sur ce compteur sur 600. Franchement c'est bien vu qu'il y a le drop ce week-end avec plus de 200 paires qui drop. Et honnêtement, je vous le dis, on devrait vendre facilement 130-140 paires. Après, j'ai pas envie de m'avancer et dire des conneries et au final, on arrive, il y a 20 paires qui se vendent, ce serait triste. Mais voilà, normalement, ce week-end, ce petit compteur des 600, il devrait être atteint en seulement 3 semaines. Donc, franchement, je suis très 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 content, ça se passe très 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 bien. Mais voilà, les gars, faut pas lâcher l'affaire. Encore une fois, si jamais, il y a mon site web swiftkicks.com. Il faudra aussi être présent ce week-end sur le drop. Encore une fois, on a essayé de vous faire un maximum pour vous régaler avec des paires à des bons prix. Vous avez bien vu au début de la vidéo, mais il y a 5 paires à très bas prix. Donc, les gars, je compte sur vous, il faudra être là. Également, les gars, rien à voir, mais je vous le dis à chaque vidéo, mais je me répète parce qu'on est toujours en route pour les 100 000
80 000 abonnés. Je viens de passer au moment où je vous tourne ça, donc juste avant de la sortie de la vidéo, je viens juste de passer les 85 000 abonnés. On est plus que à 15 000. Franchement, j'ai jamais été aussi proche. Après, c'est con de dire ça parce qu'on n'a jamais été aussi proche à chaque seconde qui passe. Mais franchement, c'est une folie monumentale. On est plus très loin des 100 000 abonnés. Voilà les gars, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes très nombreux à les regarder sans être abonné. Je crois que vous êtes après 75% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et en tout cas, voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura. N'oubliez pas le drop ce dimanche 6 octobre à 20h sur mon site web swiftkicks.com. Je rappelle, il y a plus de 200 paires qui drop avec 15 € de réduction sur toutes les commandes pendant la première heure. Et voilà les gars, ceci étant dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Swiftkicks et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.